C'est parti. Humanity. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a l'air ok. Découverte. Ça joue plus à la manette. Pense. Joue. Mettre par ça, on s'en fout. On va mettre ça, on adaptera. Mode vert. Café. You. On démarre détendu. Salut Wipette, comment ça va? Mais de Wipette, tu dors pas? Alors Wipette? Tu veux un café Wipette? La fête à Stream Elements aussi? Je sais pas. Stream Elements. C'est peut-être ce mois-ci à Stream Elements aussi. Je crois que Stream Elements il a 2 ans cette année, non? Il a 2 ans ce mois-ci, je crois, Stream Elements. Ah, tu as dit Modo. Ah oui, sur Discord. C'est vrai, on sait pas si je fête l'anniversaire à Furen ou à Stream Elements. Comment ça va, Wipette? Le roi est mort, vive le roi. Les émanges sont susceptibles d'être modifiés. Non, le roi est encore le roi aujourd'hui. Demain, il n'y a plus de roi. Furen est roi. Furen sera roi demain. Ah, il est un peu roi aujourd'hui quand même. Vous êtes deux rois. Un jour, à mon réveil, j'étais un chien. Un chien? J'ai entendu une voix dans ma tête. Bonjour. Je t'attendais. L'heure est venue d'accomplir ton devoir. Tu vas faire la reine? Ah, ça tu vois avec Furen. Vous voyez qui fait le roi, ou vous pouvez être deux rois, ou un roi et une reine, ou deux reines. Vous voulez. L'heure est venue d'accomplir ton devoir. Guide-les vers la lumière. On va essayer de doter. Bah ouais, je vois ça. Commande de base. Utilisez L pour vous déplacer et appuyez sur A pour sauter. Adieu, jump. De la caméra. J'ai entendu la voix à nouveau. Lève la tête et aboie vers les cieux. Guide-les vers la lumière.
Je me suis dit qu'il fallait faire du café pour aider. Oui, t'as bien fait. T'as bien fait, t'as bien fait. Je l'ai pas goûté encore. Mon virage vous permet d'indiquer aux gens la direction à suivre. Maintenez X et inclinez la direction voulue pour émettre votre commande. Par ici, mes amis. Les gens sont attirés dans le faisceau de lumière et emportés loin dans le ciel. Niveau terminé. Sûr. Version de la démo. Switch Eater. Les Goldies sont des idoles dorées qui marcheront aux côtés des gens. En vrai, je pense que ce jeu, on peut le faire sans cam. Mur escalade. Les gens escaladeront automatiquement les murs couverts de street diagonale s'ils approchent d'eux. Interrupteur activé par les gens. Il y a suffisamment de gens pour qu'ils marchent sur l'un des interrupteurs déclenche un événement intéressant. Néanmoins, l'effet ne dure que tant qu'il y a des gens sur l'interrupteur. Ils peuvent pas passer là, si. Ils vont faire quoi là? Ils vont tomber. Ok. Ça veut dire qu'on pourra pas sauver tout le monde. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Thank you.
non, c'est trop haut. Merde. Un truc comme ça. Les femmes et les poulets d'abord. Ok, là ça devrait le faire. Nice. Faut pas qu'il tombe de trop haut du coup. S'il tombe de trop haut, il capote. Yeah. Ok. Chrome surfing. Reçu la capacité de plonger dans le corps des humains. Certes d'eux pour rejoindre des endroits sinon inaccessibles. Si on faisait un essai. Plonger. Sauter puis appuyer de nouveau sur A pour plonger dans une personne à proximité. Utiliser L pour en glisser d'une personne à une autre et appuyer à nouveau sur A pour sauter et vous libérer. Pouvoir monter. Je t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Dis-moi. Saut fera bondir les humains dans les airs. Prends cette commande, fais la tienne. Appuie sur X pour récupérer de nouvelles commandes. Demander l'autorisation, répète avant. Oui, c'est vrai. Changer de commande. Ici, ok. Alors là, ce qui va se passer. Faut qu'ils aillent dans l'eau là. Il fallait jusque là. Là, on leur dit de jump. De jump encore. Merde, non. Ah ça va. Wouhou. Bien joué les humains. Loop the loop.
t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Solon fait rebondir les humains plus loin que d'habitude. Bon, attends déjà. Ah merde, non. Oh non, j'ai perdu le golden. Bon, on recommence. Mais la Solon, ça va les faire aller jusqu'où là? Jusque là? Ah ouais. Oui, ok. Non, j'ai perdu le golden encore. Bon, c'est pas grave, on va déjà prendre l'ordre. Et on a débloqué ça. Non. On va aller là-bas. Oh mon dieu, je les amène vers une mort certaine. Hop, on va aller dedans. Bon. Là. Hop, on traverse comme ça. Là. Et on fait quoi là? Bien beau ce bordel, mais tabarnak d'hostie de cascos. Désolé, putain de jeu casse-couille. Ouais, bah, tu te souviens, toi, des Lemmings à l'époque, fin 80, début 90, le jeu Les Lemmings où fallait que tu guides des petits Lemmings en leur disant quoi faire. Ça va, j'ai réussi, merci de ton aide. Par contre, là... Tabarnak, hostie de casse-gosse. Qu'est-ce que ça, yo Smithy? Tu connais les Lemmings? C'est pareil. Sauf que là... Là, je sais pas. Ce niveau-là, je sais pas. Mon jeu de Pokémon, fallait se promener et ramasser des âmes. Ah, bien joué. À ramasser les âmes des Pokémon? En gros, ils startent ici, ils avancent là, on récupère le golden... Non, il y a un truc à faire. Faut activer les deux trappes ici là. Ça va ou quoi, Smithy? Faut activer ça, et il faut activer ça. Mettre la musique un peu plus forte, elle est cool en vrai. Quelle voix suave. Oh, la voix du dimanche matin, si je puis dire. Des humains, mais il y a des âmes noires qu'il faut pas toucher et des leviers pour ouvrir des portes. Ok. Hiiii.
Non, on peut juste jouer au chien. Alors on est un chien et c'est tout. Comment heureux, Magdalidos. Ça fait beaucoup de gens qui tombent quand même. Bon, t'inquiète, ils réapparaissent là. Tout va bien. Vas-y, on commence. Ah, mais là, ils vont sauter trop loin. Si je leur dis de sauter ici, là. Ah ouais, ils sont fin énervés. On a perdu le golden en plus. Il est tricky celui-là de niveau. Il est tricky. Pas sûr de mon call pour celui-là là. Oh, on n'a pas le choix de faire ça. Hein. On va se balader dans l'âme de quelqu'un. On les faire passer ici, du coup, ça libère ça. Ça c'est mon moyen. Merde. Pardon. Mon moyen de passer, c'est de me mettre dans leur tête. Bah du coup ce serait ça. Là ce serait ça. Et puis là on est sur un cercle infini quoi. Non, le but c'est de les faire aller là quoi, tout droit avec un jump ici. Comment je les fais revenir? C'est ça le truc. Oui, le mur rayé, tu peux grimper, mais le truc, c'est que pour que cette partie-là elle reste affichée, il faut qu'il y ait des gens sur les trappes ici, là. S'il y a plus d'humains pour, s'il y a plus assez d'humains pour activer les trappes, et toi, tu ne peux pas les activer parce que t'es tout seul. Il faut un certain nombre d'humains pour activer les cases. Si les cases sont pas activées, les murs sont invisibles. Les murs sont visibles quand il y a une activité humaine dessus et qu'il y a pas mal d'humains. Donc ça veut dire que là, là tu vois, si je fais ça, il n'y a pas de souci là. Je fais ça, mais je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit ça le but. J'ai pas pris le golden en plus. Non, c'est pas grave. Il y a quelques humains qui vont s'en sortir, enfin, qui vont s'en sortir. D'ailleurs, il y en a pas mal déjà. Ah non, mais vu qu'ils font une boucle infinie, de toute façon, il n'y a pas besoin. C'est juste, il y en a qui vont passer, il y en a qui restent vers la boucle infinie. Simplement. J'ai pas besoin de tous les sauver. Enfin, les sauver. J'ai pas besoin de tous les faire rentrer dans le carré. Qui monte. On a perdu, on a... Il y a un golden qu'on n'a pas récupéré et un golden qu'on a perdu.
Ok. Leur âme torturée à jamais. Bridge the gap. Je crois qu'il va y en avoir de chaque côté là. Je t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Dis-moi. Flotter allège les humains et augmente l'effet des ventilos et de sauts actifs jusqu'au retour des humains au sol. Ok. Ok, ok. Donc en gros. Oh, tu mais ils sont vraiment cons hein. Play flotte. Ah. Presque. Dommage ça. Presque, presque. Qui veut dire si ça se passe comme ça au paradis, envoyez-moi en enfer. C'est sûr? Même si c'est moi, même si c'est moi aux commandes. Regarde comme je suis mignon, en plus on dirait que je suis un Shiba. Raison de plus. D'ailleurs c'est la principale raison. Tu es si dur avec moi. Est-ce que je peux... Yes. Alors vous maintenant. Vu que vous avez l'air un peu... C'est vous, excusez-moi. Ça vous va ça? On a perdu le golden instant. Je sais pas si vous les faire revenir ou pas. Enfin, revenir. Je sais pas s'il faudra les faire revenir maintenant. Sur l'autre plateforme. Sauf si tu te sers pas de moi pour être dans une boucle infinie. Oh, on s'arrangera. On s'arrangera. Je pense que là, faut les faire sauter avant, genre. Ça, ça leur donne après, non? Parce qu'en gros, pour récupérer ce golden, là... Attends, est-ce que je peux le récupérer, moi, le golden? Non. En gros, pour récupérer le golden, il faudrait... leur fasse faire un méga jump. Direct au ciel. En gros, pour récupérer ce golden, faudrait qu'ils atterrissent. Bon, en gros, j'ai juste à faire ça, en gros. Pas du tout. Genre.
ça. Nice. Je vous accompagne. Nice. Le Goldie. Mr. Goldie. Je pense, Mitty, t'étais le deuxième Goldie, toi. On t'a sauvé. T'es rentré avec nous. Ok. Comme par hasard. Tu voulais être le premier ? Beltway. Les musiques, elles sont cool, j'aime bien. Alors. Attends, on peut les faire aller là ou pas ? Non. Ils vont aller. Dans le vide. Est-ce que... Il passe l'arbre là ? Ah oui, il passe l'arbre. Ah attends, parce qu'à tous les coups c'est tricky là. Merde. Ok. Bon, le Goldie, ciao. Je sais pas où tu vas finir, mais... Ah non, mais... Ah oui, c'est pour récupérer l'autre Goldie, le... Ah bah non. Oui, parce qu'avec l'inertie, ils vont trop vite. Allez, con. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. L'idée du jeu est sympa. Ouais, ouais, l'idée du jeu, elle est vraiment cool. On a vu le trailer le week-end dernier, on s'est dit tiens, c'est un truc à faire. On fait quoi de lui là? Lui en gros pour que je le libère, faudrait que je fasse ça vite fait quoi. Ouais c'est simple, c'est... Voilà Smithy, t'as merdé là. Là t'as fait de la merde. Je suis désolé Smithy, mais... Tu pouvais aller dans toutes les directions, t'as choisi d'aller dans celle-là quoi. À partir de là, moi je sais pas quoi te dire. Oh pour rien, y'a du monde là. Ah mais y'a trop de peuple. Dans les deux sens. Ouais, j'avoue qu'en bas tu mourrais aussi. On fait quoi? On essaye de le sauver, Smithy? Allez. Bah, parce que c'est toi. Hein. Du coup. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Ah mais lui il va tomber dans le vide à cause de l'arbre 100%. On fait aller là, on fait aller ici.
On va aller là. On va aller là, on va aller là, on va aller là. On va aller là. Là, ils font le tour. Lui, on l'active vite fait pour qu'il aille ici et ici. Et on les fait aller tout là. Non, là. Bon, et dans quel sens maintenant ce truc là? J'aime bien la musique. J'ai déjà dit, mais. Genre comme ça, comme ça. Après, avec l'inertie, je sais pas comment ils vont faire là. Ils vont faire. Ça va aller dans tous les sens. Toi, tu vas là direct. Déjà ils s'en sortent comment là? Ah. Merde, j'ai oublié le plus... j'ai oublié le plus important. Attendez. Du bisou, c'est pas la peine de me faire mourir, c'est pour perdre mon âme dans les méandres. Oh, ils avaient pas compris le premier call. Mais là, je sais pas ce que ça va donner, là. Voilà. Merde. Ouf, les choix. Bouge. Ah, faut que des gens le récupèrent, putain. Ah mais là... Merde, non. Oh, j'ai oublié là de... Mais ils sont trop cons aussi, moi. Je sais que je passe, moi. Dibilos. Allez, zou. Merde. Ça. On va pas envoyer le goalie là-bas. Et boum. Il faut sauver le soldat Smithy. Nice, lui. Voilà, on a même sauvé ton frangin. Golden jumeau. On l'a déjà fait ce niveau. One. Oh bordel. Ouais.
faut arriver ici. Ok, bon, on va voir. Ah, ok, non, il start ici. Ok, ça il pousse. C'est bien, c'est bien. Poussez. Pousse, ça pousse. Merde, je vais être keblo. Non, non, c'était de l'autre côté, non. Je suis obligé de repartir par... Ouais, mais là je suis keblo là. Bon, le contresens il est compliqué là. MG, je t'autorise à abandonner mon frère. Ah, on peut tous les récupérer. Alors, il y a 6 cases. 6 cubes. Chaque cube peut se poser en dessous pour créer un chemin. Donc s'ils arrivent directement ici, poussent le cube, ils le mettent là. Le cube, ils les mettent là. Derrière, on est keblo. Si on leur dit d'aller là, ils poussent le cube, ils les mettent là. Why not? Ils poussent le cube, ils les mettent là, et c'est ce qu'on a fait la game d'avant. Résultat, il nous reste 1, 2 cubes. Il n'y a aucun moyen de y aller. Donc il faudrait que on pousse ce cube, on passe ici, on pousse ce cube. Et même je pense celui-ci on le fait en dernier. Sinon le golden, on sait pas trop où il va aller. Parce qu'en gros, on va faire dans l'autre sens. Si on pousse ce cube, ici. Après ce cube là, on le pousse ici. Ouais c'est ça, c'est la strat. Attends. Ouais, si vous voulez. Ah, je sais, le demi-tour, il est compliqué, je sais. Et boum! J'ai sauvé Smithy. You free, brother. Bro. Blow away. Là, on sait pas ce que c'est. Allez voir. Ah, voici les autres. Leurs principes de vie sont très différents de ceux des humains. Les humains et les autres n'ont jamais réussi à dialoguer, pas une seule fois. Pourtant, ils ont avec nous un point commun.
Les autres semblent adorer Goldie autant que les humains. Je comprends moi-même jamais ce qu'il y a de si attirant dans tout ce qui brille. Quoi qu'il en soit, son devoir ici est simple. Guide les humains pour les ramener jusqu'à la zone de test et apporte avec eux les Goldie et les autres. Les Goldie des autres. Tu pourras faire cela pour moi? Le faisceau de lumière brille d'une couleur dorée. Objectif reflet doré doivent être débrouillés en guidant un Goldie jusqu'à eux. Ok. Les autres, on n'aime pas trop les autres par ici. Essayez, ne vous inquiétez pas si vous perdez un Goldie ou échouez. Bon, t'inquiète pas, la touche, je la connais. Non, 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 arrêtez, non. J'ai essayé de les tuer, mais... Ils sont allés trop vite. On prendra le Goldie plus tard. Il faut pousser les gars. Ça c'est peut-être un peu chaud en pente. Mais un ventilo là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah. Ah, il faut la puissance du Goldie. Je peux pas voir, je peux prendre le Goldie. Goldie a cette force. Poussez, poussez, poussez. Ah maintenant je suis con. Ça les pousse. Vu qu'il y a le ventilo, ça pousse les autres dans le vide. Chaud. Okay. Là, ça va pousser jusque là. Quoi les autres là? Ils arrivent. Ah, on peut accélérer. C'est marrant parce que la musique en accéléré ça fait une musique normale. Oh, ça fait exprès. Ah merde, ça les pousse pas assez. Merde. Oh non 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 non. Non non. Oh. Ne vous mêlez pas aux autres. Ce sont les autres, il ne faut pas. Ok, c'était ça le move. Ok, 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 ok. We got this, we got this. It's ok.
Hop, le ventilo, on le pousse jusque là. Bon, boum, boum. Ça veut dire qu'à partir de là, tac, là, tac. Tac, tac, tac. Ici, ici. Ici, on pousse le ventilo, pam 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 pam. On le pousse jusque là, mais il faudra que ça aille plus loin encore. Donc ici, 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 ici. Et ça, ça va pas. Il y a déjà l'ordre pour aller là-bas. Quand le ventilo va arriver là, hein. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Le ventilo va arriver ici. Il va arriver là. Donc ils vont être ici. Mais faudrait pousser le ventilo là. Non. Ah oui, là je l'ai foutu dans le vide. Ok. En vrai, fuck. Ok. En vrai, je crois qu'on peut pas emmener tout le monde là-haut. C'est triste, mais c'est ainsi. Quoi, un jeu, on peut pas sauver tout le monde? J'ai rien oublié ici, hein. Non, c'est good. Ils poussent le ventilo là. Ils arrivent ici, ils poussent là, ils poussent là. Après ils font ça. Dans tous les cas. Voilà. Après ils vont là. Et voilà. Agreed? Agreed. Et à un moment donné, on dira à 2-3 pélos d'aller ici. On peut sauver tout le monde. Je pense qu'on peut toujours sauver tout le monde. Dans le jeu. Non. Mais non, bande de cons. Putain. C'était pas ça le plan. Il s'est fait corrompre. Ah, il est revenu parmi nous. Il va où elle? On a perdu une personne qui est tombée là-bas. Bon, elle a fait exprès aussi. Nice. Nice, nice, nice. Boum, 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 boum. Et le deuxième. A double G, well applied. The ball drops. The ball drops, sorry.
ça, The Boldrops. On dirait que les autres viennent pour voler Goldie. Non! Attends Goldie avant eux, conduis-les vers la lumière. Du lève vers la lumière. Smithy, on te veut du mal. On te veut du mal, Smithy. Je le vois. Regarde la trappe là. Attention, attention à vous là. Se sont sacrifiés pour toi, ce petit. Se sont sacrifiés pour toi, ce petit. Encore loin le paradis. Deux rues, on y est. Deux pâtés de maison. Oh non, pas faire bobo à Smithy. Ouais, non, mais t'as vu comme ils en voulaient à Smithy là. Merde, ils arrivent vers mon chien. Regarde, encore un pâté de maison et après des mots. Mental block. Mon café. Je retourne essayer de doter, ça marche, Wipet, repose-toi bien. On va essayer de dormir un petit peu, ouais, quelques heures. Droit de pibi, même si je suis pas heureux. Ok, ça marche. Et merci pour le café. La bise, bah, Wipette. Gros grand roi Wipette. Repose-toi bien. Interrupteur de démarrage. Dans les épreuves avec interrupteur de démarrage, vous devrez placer toutes vos commandes avant d'activer l'interrupteur et de mettre les gens en mouvement. Dès qu'ils commencent à se déplacer, vous ne pouvez plus émettre aucune commande jusqu'à ce que l'épreuve soit terminée ou que vous la recommenciez. Mal ça. Interrupteur bloc. Ces interrupteurs sont activés lorsque l'on pousse un bloc dessus. Quand l'interrupteur reste actif, le bloc doit le maintenir enfoncé en permanence. Ok. Donc, il nous faut amener un bloc ici. Mais. Il y a forcément un mais. Les petits gugus là. Ils vont aller dans cette direction. Ils vont pousser ce bloc. Vous allez me dire, c'est cool. Derrière, il va rien se passer, le bloc il va tomber là. Ils vont juste marcher dessus, au final ils vont tomber ici. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pas... Ah là c'est le vide là. Ok. Je peux pas escalader moi. Pourquoi ce bloc il est dans le vide là? Attends. Je pousse ce bloc qui tombe ici.
Derrière, ils vont marcher dessus. Ils vont pas le pousser encore plus loin. Ah, mais c'est un triple bloc. Ok, c'est pour ça qu'il est maintenu en l'air. C'est un triple bloc. Donc s'il pousse là, les trois blocs vont avancer. Ok. Et en gros, vu que ça se sera maintenu ici. Ok. Donc en gros, ils vont pousser. Jusqu'à arriver là. En gros, là. Faudra qu'ils aillent à gauche. Ici, il faudra qu'ils poussent là. Du coup, ils vont pousser par là. En poussant cette case-là, ça va bouger les trois, hein, on est d'accord. Ça pousse les trois blocs d'un coup. Ils vont l'amener là. Ici. Et à ce moment-là, il faudra que mes petits gars, ils aillent là. 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 Ils poussent le bloc de trois cases sur la droite. Donc, de 1. Il faudra qu'ils aillent ici et ici. Je peux pas mettre de commande là où il y a des points d'information. Et ça, c'est chiant. Mais il faudrait que je récupère le golden. Donc, pour récupérer le golden, là, ma case, elle sera en place. Là, c'est pas un problème. Une fois qu'on est là, le but c'est d'aller prendre le goldie. On va sauver Smithy ici. Et en même temps, il faudra quand même qu'on amène les trois blocs là. Sauf que faut prendre en compte le fait qu'il faudra remonter. Donc en gros, first, on doit pousser le bloc. Parce que pour aller là, il faudra qu'on marche ici là, comme ça là, tac, tac. Vu que le bloc il sera là, là ce sera rempli ici, donc on pourra faire tac, tac. Donc, on pousse le bloc. Paf, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Une fois qu'on est là, le bloc est activé. On va là. On va ici. Et GG. D'accord ? Allez, on essaye. Mon plan machiavélique va fonctionner. La conquête du monde. Et récupérer ce métier en vie. Merde. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme je voulais que ça se passe. Bon, il y a un petit calcul qu'on n'a pas pris en compte au début. C'est que... C'est que j'avais gardé en tête... J'avais mis mon premier ordre avant d'avoir fait le calcul que les blocs étaient raccrochés entre eux. Ok, donc là ça va pas du tout. Attends, mais faut aller ici là? Non, on peut pas aller à l'arbre. Donc je tombe ici. Le truc il reste là. Attends. Putain, mon plan il était parfait là. Putain, Smithy, tu fais chier. Ok. Mais... T'as
tu pourrais nous aider à... Au lieu de faire de la merde, que tu fais quoi là? T'es pris pour le... ça, je sais pas quoi là. Moi je veux mes S72 vierges là. S72 vierges? Qu'est-ce qu'il dit? Il est faron. Ah là, ce qu'il faut pas faire. Hein. Normalement, on est bon là. Merde, je leur ai pas dit d'aller à droite. Si, mais c'est caché par le cube? Non, je crois pas. Non. Ah si, c'est bon. Là. Allez-y! Ouf! Dommage qu'on puisse pas évoluer. Oh, je me tue! Oh, je me tue! Merde, je l'aurais pas dit de... Ah si, le truc il est en dessous. Quoi? Oh merde. Hein. Putain, je l'avais pas mis là? Ça leur va pas si je le mets là? Ah, ils font chier. Hein. Est-ce que c'est pas ça le move? On va vérifier. Je suis pas sûr mais... Bon adieu. Ouais, si c'était ça le move. Ah putain. Un connard. Je me disais bien que c'était trop simple de faire le truc au milieu. Ok. Donc... Reprenons. Nous poussons le bloc. Le bloc, les petits machins ils tombent ici. Tac tac tac, big big book. Nous allons... revenir ici pour pousser le bloc, paf, là-dedans. Donc après, nous repartons ici. On repart là. Là, on repart ici, on pousse le bloc là-dessus, paf, hop, on repart comme ça. Par ici, on va chercher Smithy. Tac. Et là, ce sera pour aller là-bas. Ça me fait penser à un passage de... de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, quand ils doivent récupérer la belle-mère, tuer leur beau-père. Pas récupérer, on récupère maman. Bonjour beau-père, désolé papa. On récupère Lizzie et on va tous au pub. Shaun of the Dead, hein. Meilleur film.
Humour anglais, bien sûr. Ah, un homme de goût. Ah, Shaun of the Dead, je sais pas combien de fois j'ai vu ce film. Mais à une époque, putain. Shaun of the Dead et Snatch, je crois que c'est les deux films que j'ai le plus vus avec des gens pour leur montrer dans ma vie. Mais Shaun of the Dead, ouais. Un must-have. Pour moi, le meilleur film du duo, je sais plus comment ils s'appellent, les deux acteurs en duo, mais là, ils ont fait plein de films ensemble. Mais pour moi, c'est le meilleur. C'est le premier et le meilleur. Parce qu'après, ils ont fait le dernier pub. Enfin, ils en ont fait plein d'autres. Ils ont fait. Je sais plus comment il s'appelait l'autre. Le dernier que j'ai vu, je crois, c'est le dernier pub. Le dernier bar avant la fin du monde. Ou le dernier pub avant la fin du monde. Simon Pegg, Nick Frost. Hot Fuzz, ouais, c'est pas ça. Ils ont fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Bah tu vois, Hot Fuzz c'était... tu sentais que c'était dans la continuité de l'humour qu'ils avaient instauré avec leur duo, tu vois. Du coup, ça perdait un peu de la saveur parce que c'était pas la... Ça avait pas le punch de la première fois que t'as dans Shaun of the Dead. Mais oui, il est cool. Version de démo 11, to be continued. J'ai rarement tant rigolé. Ah, il est vraiment cool. Il est vraiment bien comme film. Ouais, et puis moi, en vrai, moi, ça m'a fait découvrir l'humour anglais, quoi. Aussi. Qui a un style d'humour qui est quand même bien différent. Mais je pense que c'est celui que je préfère. Le temps a passé, qui sait combien. Je me suis réveillé dans un lieu inconnu. J'ai entendu, au loin, une voix m'appeler. Oh ! C'est Steam, j'entends la voix de Steam. Et le jeu dans ta wishlist ? Abonne-toi à la newsletter. Coche les petites cases pour l'email. Une foule innombrable jaillissait et tourbillonnait devant moi. Une voix s'est adressée à moi. Te voici enfin. Ajoutez à ma liste de souhaits, rejoignez notre Discord. Obtenez la version complète et résolvez 90 incroyables niveaux d'action et d'énigmes ainsi que d'innombrables épreuves créées par les utilisateurs. Donc créez et partagez vos créations. C'est vrai qu'il y a l'écran de création de map qui est, je crois, qui est pas trop mal foutu. Hein. On place notre bloc de départ, la caméra du début. On peut vraiment mettre pas mal de trucs. Il y a des rampes motorisées, des rampes poussables, les rampes spéciaux. Pas mal d'objets, de gens. Et encore, là, on n'a pas les interrupteurs, les commandes du niveau, commandes du joueur, objets. Il y a pas tout. Hein. Mais du coup, il y a moyen d'avoir pas mal de dingueries en multi aussi, je pense. Et là, j'aimerais... S'il vous plaît. Là je veux partir là. Bientôt assez de points pour t'obliger à faire une découverte. C'est vrai.
Ah, démo free access et toute la. Si tu laisses ta souris sur le. Sur le truc de point de chaîne. Enfin, sur le truc quoi. T'as une description et t'as un lien dedans qui t'amène directement sur le catalogue de jeux du Game Pass. T'as vu, Ok, nice. J'ai au cas où. Hein. Par contre, j'aimerais. Faut que je parte. Je me sens. Today's the day, yo Benkila. Maybe. Et du coup, c'est assez sympa parce que je crois que dans. Dans le jeu. Je crois qu'on peut changer. Non. Je crois qu'on peut changer la gueule de nos petits gugus. Et je sais pas s'il y a une morale derrière le jeu ou s'il y a un truc un peu spirituel ou quoi. Oui et non, ça dépend comment on l'interprète, ça dépend de notre sensibilité à tout ça. Mais je pense que, par contre, plus je vois le chien, plus j'ai l'impression qu'il ken constamment. Je vais trouver le pire jeu et tu seras obligé d'y jouer 1h50. Super, avec un débrief derrière et un avis objectif. Mais normalement on peut... J'ai cru voir ça tout à l'heure. Oh non. Mais on peut changer les skins des petits gugus. Genre pour pas que ce soit forcément des êtres humains, ça peut être des... Ça peut avoir d'autres skins pour que ce soit des entités un peu plus neutres. Par rapport à nous. Je pense qu'ils ont prévu ça de base.